Yo tout le monde, c'est Marco et devinez quoi, on se retrouve sur The Witcher 3, épisode 32. On va d'abord aller faire un tour dans l'inventaire, très très vite. Pour voir en fait l'alchimie. Savoir si on a des trucs intéressants qu'on peut faire en fait. Notamment des choses contre les vampires. Décoction de félon, pour moi... Pas mal. Ça c'est pas mal, ça augmente la charge que je peux transporter sans être encombré, sauf que j'ai plus 100% d'intoxication, alors c'est quand même un petit peu décoction de loup-garou. Il y a tellement de décoctions différentes, c'est hallucinant. À chaque fois il manque du gui, du lore. Immunise contre les poisons, une autre... alors ça je vais le faire. Immunise contre les poisons et annule les effets de poison. Objet requis pour accomplir une quête. Ah, pas Hatch. Quelle quête j'ai besoin de ça? Moi, je sais pas, on verra plus tard. Un mutagène bleu que je peux refaire, un mutagène vert que je peux refaire. Bon. Faire un mutagène bleu. On va faire un mutagène vert. Yeah! Est-ce que je ferai une décoction? Bon, je la fais au pire, hein, c'est toujours utile. Toujours utile. Ça peut toujours servir. Bon, par contre, j'ai pas des trucs contre les vampires, quoi. Spectre, tac-tac, griffon, archi-griffon, chat-huant, blizzard. Ouais, non, j'ai pas grand-chose contre les vampires. Hein. Peut-être les créatures maudites. Peut-être que ça fera l'affaire. On va aller voir dans le bestiaire, vite fait. Bestiaire. Bestiaire. Créatures maudites. Est-ce que c'est... Non, ça rentre pas dans les créatures maudites. Hybride. Non, pas hybride. Bon, alors, hybride, c'était... J'étais... Vampire. Et Kim, vampire supérieur. Huile contre les vampires. Veste de loup du diable. Donc ça, je n'ai pas. Igni et eux. Juste Igni et huile contre les vampires. Est-ce que j'ai... Je n'ai pas d'huile contre les vampires. Je ne crois pas avoir de l'huile contre les vampires. Ou de l'artisanat, il faudra que je fasse ça aussi. Et huile contre les vampires, est-ce que j'en ai? Donc les bêtes supérieures contre les créatures élémentaires. Le venin du pendu. Non, je n'ai pas d'huile contre les vampires. Désolé. Artisanat, qu'est-ce que je peux faire? Les bottes de chasse, moins 19, bottes d'assassin, moins 1, donc non, ça ne m'intéresse pas. Plus 36, niveau requis 27. Pas mal, celle-là, plus 36. Hein. Niveau requis 27. Des carreaux d'arbalète, on peut faire... je peux faire beaucoup de lingots, hein, au cas où j'ai besoin. Gantelet d'assassin, plus 5. Alors ça, par contre, il y a moyen que je le fasse. Par contre, il faut que j'aille voir, voilà. Prérequis de l'artisan, armurier, compagnon. Gantelet de pisteur, moins 3, bah, c'est là, plus 36. Pantalon de chasse, moins 19, plus 10 sur le pantalon de guise armée. On ira peut-être faire ça. On ira peut-être faire ça. Par contre, voilà, j'ai moins 4 à chaque fois, donc j'ai 10 sur les trucs en ce moment. Plus 12, mais je perds tout ça. Ah ouais, c'est quand même énorme. Plus 27, mais je perds aussi pas mal de trucs. Moins 48, moins... Et au niveau des épées, est-ce que j'ai des trucs pas mal? Plus 41, mais je perds... Oh ouais, j'ai 0 bonus dessus. 0 bonus. École du Griffon, tac. J'ai pas sinon des schémas d'épée. Ah ouais, celui-là, niveau requis 25, ah ouais. Niveau requis 27, ah ouais, plus 136 de dégâts. Bon, j'ai hâte de faire, hein, désolé, hein. Moins 100 en dégâts, bam. Ok, bon, il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire. On verra quand on engagera le combat contre le vampire, si je prends des potions et tout, ce qui va certainement être le cas. Trouvez le monstre qui rôde à l'aide de vos sens de sorceleur. Donc on cherche, hein. On cherche un vampire. Ah. Ok. Ok, oula, j'ai eu un petit... Le petit lag. Ok, donc il est venu là. Donc on va... Non, je pense qu'en fait il fallait que... Peut-être que j'examine. Ah, ici. Mais pas humain. Le monstre était blessé. Ok. Voilà, vraiment si l'on trouve de l'autre côté, c'est ça en fait. C'est pour ça que je suis directement parti en fait. J'ai directement sauté dans l'eau, mais en fait il fallait que... J'examine les traces pour qu'ils me disent « Ah, il y a peut-être des traces de l'autre côté de la rive !»
On sait jamais. Et on aura forcément le mec qui a dû se réfugier là-dedans en fait. Allez, y a pas des traces ici là? Des petites traces là comme ça. Et voilà, si y a des traces. Rat corpses. Not a drop of blood left in them. Voilà. Tac tac tac. Et voilà, et bah du coup, le monstre est sûrement là-dedans. Donc, on va. Ça, je n'en ai pas besoin. Les créatures maudites contre les nécrophages. Non, on va prendre une potion. Bah, du coup, là, j'ai hirondelle. Tonnerre amélioré, de toute façon, c'est toujours bien. Et blizzard, chat. Non, par contre, j'aimerais bien avoir une. Une bombe. La bombe de étoile. Bombe, je suis sûr d'avoir poussière de lune. Je suis sûr d'avoir récupéré un schéma de poussière de lune amélioré en bombe. Ah, je sais pas où elle est. Ça m'énerve. Tant pis, on va y aller comme ça, on va sauvegarder. Hop là. Oh. Alors, c'est un Ekim. Ah, on est deux. Un autre sorceleur. C'est pour ça, en fait, vous voyez, il disparaît. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, c'est pas mal d'avoir... d'avoir la bombe poussière de lune pour, en fait, le faire réapparaître. Ça permet de le faire réapparaître, c'est-à-dire que ça va déposer des petits trucs sur son corps et ça va le faire réapparaître. Ah, c'est Lambert! Ah, c'est Lambert! Notre pote Lambert! Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Ah, bah du coup, c'est pas le mec. Enfin, bref. Ma théorie est totalement, tombe totalement à l'eau, hein, clairement. Mais il se trouve que j'ai une affaire à régler ici. Tu veux un coup de main? Peut-être, on en reparlera plus tard. Ok, on verra. Let's say you've earned half. Allons-y. Let's go. Ça va. C'est vrai qu'il avait déjà commencé le monstre quand je suis arrivé. Donc clairement, je peux en récupérer la moitié, je pense. Hein. Alors. We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Eh oui. C'est pas faux. Can't argue with reason. Go on in. Allez, on y va. Rameuter les sous. Ramener l'argent. Ramener l'argent, s'il vous plaît. Monster at the docks. Here for our reward. Witches, since when do you travel in pairs? Beaucoup de dangers guettent les sorcières solitaires. Bandits, for example. Exactement. I advise you to change your tone. Mais ta gueule. Where's Yad Carradine? Talk. Yad Carradine. Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Carradine. Take your coin for the before and bear off. Before I lose my temper. Where's Yad Carradine? Asking you for the last time. Oh, il est vénère, Lambert. Oh! Ah, mais non, le mec se barre et me laisse tout seul avec les gardes. En mode. Ouf! Oh là là! Faut que je fasse attention, moi. Putain, je l'avais même pas vu venir, lui. Alors? Alors oh, là, là, ouïa, job, ouïaka, clad. Ok. Ils sont tous morts. Une couronne. Une autre couronne. Putain, ils ont pas beaucoup de sous, hein. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Voilà, allez voir. Je le jure, les autres aussi. What about Vienne?
She drinks at the Seven Cats. De jour comme de nuit. See, you can be helpful. Non. Oh. Oh, il l'a tué. Bordel, c'est quoi cette histoire, Lambert? You crazy? What the hell are you doing? I can explain everything. Ouais. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Je t'expliquerai tout. The tavern Vienne frequents. Yeah, see you later. Ok, bah on va y aller, hein, très clairement. Cette quête m'intéresse. Croiser Lambert, c'est plutôt plutôt peu commun. Prendre les florins. Ok, je vais juste prendre les florins. Ah, et croiser Lambert, c'est plutôt je me demande ce qu'il fout là, très clairement. Le mec mec, tu t'es perdu quoi. Ok, on va prendre ce qu'il y a vite fait là aussi. De l'eau, waouh, waouh, génial. On ramasse de l'eau, oulala. Oulala, là 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 là. Que c'est palpitant. On va se barrer. Et on va retrouver Lambert aux 7 chats. Donc, allons-y. Allons-y gaiement. On va prendre une potion d'hirondelle pour régène. Faudra qu'on pense à monter nos points, utiliser nos points de compétence parce qu'on est passé niveau 15 du coup. Ouais, plus tard. J'ai des choses à faire. Plus tard, peut-être que je t'aiderai mon bon ami. Mais en ce moment-là, je suis un petit peu pressé, tu vois. Je suis un petit peu pressé. Putain, mais c'est loin. Ça doit être juste là, ça doit être le bâtiment juste ici. Je pense que c'est ça. Je voulais tuer la biche, mais j'ai pas réussi. Auberge des sept chats. Oh, en plus, il y a un panneau d'information. Bon, on va récupérer les quêtes, hein. Tac, dîner prix spécial, avertissement, cuisinière demandée. Donc ça met des marqueurs pour les délieux non découverts également. Hein. Bon alors, Lambert. All right, high time you explain some things. Pourquoi as-tu tué... Pourquoi as-tu... Lend. Essaie de faire court, hein, quand même. I prefer something concise. I had a friend, Aiden. Un sorceleur de l'école du chat. Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. OK, jusque là tout va bien. Then there was hatred for the school of the cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Ses membres ont été de véritables tueurs à gages. Aiden wasn't like that. Anyway, je pense qu'il l'aimait. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn, so a band of trained assassins. Les assassins chevronnés ont donc tendu une embuscade à Aiden et l'ont assassiné. C'était leur chef. Navré pour Aiden. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Il me faut juste un coup de main. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Fort bien, allons-y. Ok, donc c'est juste une histoire... là, c'est une histoire de vengeance, grosso modo. Putain, je pensais qu'on allait jouer. Vienne. En fait, pas du tout. Ah, mais elle est pas mal, elle aussi. We want to see Yad Carradine. Se fout de notre gueule. Parce qu'on te le demande gentiment. It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer for starters. Then we'll see how valuable your information is. Ah, ça peut l'intéresser. Par contre, son verre est minuscule, hein. Très clairement. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with the lot. Petit signe d'Axi là. En plus, il est plus en bon terme avec ses anciens amis. Qui étaient les amis de Carradine? Aside from me, Sleaze, Hammond, and Lund, but they've scattered all over the world.
Hercules went to Tresigal, Hammond to Skellige, and Lund. Skellige. Lund's dead. Lund's dead. Finally met his match. Que Hammond et Célise. Hammond or Célise to talk to then. Ouais, mais bon. Faut qu'on les contacte. Par contre, s'ils sont à Skellige et à Hammond, c'est un peu loin. Effectivement. Sauf si on le tue avant. No, Lambert. Right. Better to leave her like this. Ouais. What about my coin? Arseholes. Arseholes. J'ai reçu 72 points d'expérience, magnifique. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à Skellige et essaie de tirer quelque chose de Hammond. Eh ouais, ok. Faut d'abord qu'on parle. Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations, serious situations, when you don't ask unnecessary questions and just help your friend. Where ah ouais. Meet once I'm back. At the Nowhere Inn. L'auberge de l'introuvable. All right, I'm off. Good luck. Bon bah ça attendra un peu du coup parce qu'on va pas aller à Skellige tout de suite. Donc ça attendra légèrement. Cette quête attendra. Regardez, si on regarde sur les quêtes. Quête secondaire. Rendez-vous sur Faroé et cherchez Hammond. Et sur la carte du monde, ça indique. Pour l'instant, ça. Si, ça indique. Voilà. Skellige. Et ça indique bah, quelque part sur Skellige, je ne sais pas où exactement. Parce que c'est grand. Ouf, ouais, juste là. Donc on ne va pas y aller tout de suite. Hein. On ira plus tard parce que c'est quand même assez loin. Je pense que c'est le genre de quête qu'on fera. Bon, une fois qu'on ira à Skellige, en fait, on finira la quête une fois qu'on ira à Skellige. Donc, j'avais dit qu'on irait faire des gangs de Novigrad, donc c'est ce qu'on va aller faire. Ah, mais non, on va faire mieux que ça, on va faire plus intelligent. On va faire plus intelligent, on va... utiliser le voyage rapide, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc ouais, on... Bon, la quête est niveau 11, du coup, ça serait pas mal d'aller à Skellige maintenant pour... Ensuite, enfin pour directement faire la quête, parce que c'est une quête qui est censée être à notre niveau, même à un niveau inférieur au nôtre, mais le problème c'est que c'est loin. Bon, on ira peut-être. Ce serait que c'est un peu dommage d'aller faire une quête pour niveau 11 alors qu'on est niveau 20 par exemple. Je le conçois, mais on va d'abord faire ça. C'est quoi cette chose? Où est son visage? Ah. Bizarre. Ah, c'est le nain. Ah, mais c'est tous des nains, en fait. T'étais absent la nuit même où le bâtard a tenté de me tuer. Et même. You found some witnesses, but I do doubt the bit about chance. No what? Simple coïncidence. So much blithering, we've got nowhere. Vas-y, mets-lui un coup dans les couilles. Ah non. Did you ever chat with him? It's simple. I want to know where Orson is. Ouais. I've not betrayed you, not ever. Oh. No. Oh, ils lui ont mis un coup. Oh, ça m'aurait pas fait plaisir. Ça m'aurait pas fait plaisir du tout. J'ai justement envoyé mes hommes le débusquer. Ce qui est bien, c'est que toutes les quêtes, en fait... Toutes les quêtes tournent autour de l'histoire principale. Le bâtard ne doit pas mourir. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on fait?
Il vaudrait mieux que je le trouve tout seul en fait. Donc on va dire qu'on refuse. Not interested in your squabbles. Figure out what you want. Come and see me. On va voir. On va voir. Je vous avouerai que je suis pas trop chaud en fait parce que du coup. Soit. Là on va le trouver nous-mêmes. Le truc c'est que sinon on peut le trouver avec Surin. Le problème c'est que le petit bâtard tac tac, Surin particulièrement vindicatif, machin. Bon ok, de faire équipe avec lui pour éliminer son rival. Bien conscient que l'union fait la force, Gérald accepta sans rechigner cette aide inattendue. Mais je sais pas, je sais pas. Bon je vais y réfléchir. Et on va faire un contrat de sorceleur en attendant. Oui, je sais, je change de quête toutes les deux secondes, mais voilà. Je ne suis pas sûr, donc du coup, je préfère y réfléchir. Histoire de savoir quoi faire. Ce qui serait le mieux, ce qui serait le moins con, ce qui serait peut-être le plus intéressant aussi, possiblement. Alors, où va-t-on? Rendez-vous au marché durant la journée et parler à Sylvestre. Amelo. Bon, sachant qu'il est 2h28 du matin, on va méditer vite fait. Hop là, la méditation. Et on va aller parler à Sylvestre. Où es-tu, mon bon Sylvestre, où es-tu? Ah, c'est lui. Je viens pour le contrat. Got an imp problem, or is that just an imp perfection in the notice? Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que le lutin n'existe que dans les contes de fées. Oui. Oui, bien sûr, mais oui. Mais bien sûr. À quoi ressemble-t-il? Un gros chat, mais gros comme ça. Et qu'est-ce qu'il a volé? What did it swipe from you? Once it was bread, then a fish, then apples. Might not seem like much, but il a volé sur toutes les étals du marché. And I'm hardly alone in being pestered. OK. Nicked something from every stand in the square. So, will you teach it a lesson with your silver sword? Oh, bah on va voir hein. On va voir. Ça dépend de la récompense. Make it worth my while and I will. Demand for witches is high, supplies low. I pick and choose my contracts these days. Alors, on va essayer de mettre un prix, on va essayer de mettre genre 300. Ouais, non, 290. Oh, le mec! Le mec est vénère, quoi. Ah, c'est bon. 280, ça passait. Je vais le faire. Relax, I'll help you. Small businesses are the foundation of a healthy economy. Eh oui. Il faut qu'on aille voir un barbier, je pense. I don't know if this will be of use, but most recently the thief leapt over that wall and ran into a passageway. Eh ben on va pouvoir chercher des indices à côté. On va pouvoir chercher des indices. Merchant was right. Actually does look like a giant cat. Ça ressemble à un chat géant. Va par là. Par là. Alors, hop. Où est-ce qu'il va examiner? Looks like the imp dropped some loot. Il a laissé tomber un truc, effectivement. Went this way. Wow. Ah, il a des bonnes griffes. Hein. Geronimo. Alors. Ah voilà, d'autres traces. Ah. Traces de bottes les remplacent. Ah, c'est peut-être juste un nain. Peut-être le chaboté. Sauvegardons les amis.
Fuyez les maisons à l'aide de vos sens. J'aime bien, franchement, on est vraiment en mode Sherlock Holmes. Lisez la lettre. Jeanne, je t'en conjure, arrête tes sottises. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un chat géant ne passe pas inaperçu. Pourquoi ne pas prendre une forme plus banale comme moi? Voilà 3 ans que je me promène sous la forme d'un mendiant et j'ai jamais été inquiété. Et toutes ces richesses, crois-moi, je n'ai plus besoin de voler. PS, brûle cette lettre après l'avoir lu, d'accord. PPS, oui, oui, je sais, je suis paranoïaque, mais sois gentil, brûle-la, PPPPS. Si je trouve cette lettre lors de notre prochaine rencontre, tu me devras une bière. Ah, c'est bête. C'est un Doppler. C'est bête, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, trouver un moyen... Trouver un moyen de pister le Doppler à l'aide de vos sens de sorceleur... Peut-être à l'étage, il y a peut-être un truc à l'étage. Je pense qu'il y a un truc à l'étage. La malédiction recommence, je viens de prendre un candélabre, tout va bien. Donc il y a des trucs là, on va les voir. Des habits. Une chemise, des chaussures d'enfant, mais un seul lit. Ok, ça sent la lavande. Ah, j'aime bien, j'adore ces effets là. Je trouve ça super joli. Bref. Bref, vous vous en foutez, hein, voilà, moi je trouve ça super esthétique. Même si vous en avez rien à foutre. C'est chaud. Ah. Non. Par là. Ah. Eh. Un garde du feu éternel discuté comme deux vieux amis. Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me. Sans la moindre raison. You're a non-human. I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods. Go play your flute. Ah, il joue bien. Belle prestation théâtrale. Hein. Belle prestation. Some pretty bad acting. Really ought to explore other career options. Petty theft, maybe. Quoi? Tu oses insulter un officier de la garde? Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Eh oui. Toujours la même histoire. Allez, on va devoir le rattraper et le tuer. Oh là 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 là. Pas très dur à rattraper, hein. Il court pas très vite, hein. Énorme. Énorme. Meurs. Ah. Ah bah c'est bon. C'est bon, easy. Ah ouais. Alors... Pas l'excuse, tu vas quitter le navigateur. Cette fois-ci, je vais faire une expression. Une... Bon, allez. You learned something, but not everything. I spare any monsters that aren't dangerous. Oh. You attacked me unprovoked, so that doesn't apply to you. Meurs, meurs. Allez! C'était trop facile. C'était beaucoup trop facile. Prenez un trophée. C'est ignoble. Ah non, trophée de Doppler. Oh mais c'est ignoble. Je vais lui couper la tête ou comment ça se passe? Ah mais non! Oh mais non. Oh, oh mais c'est pas sain. Eh, je suis surchargé. Merci, merci, merci. On va lâcher ça et on va lâcher les bottes, des bottes qui ne servent à rien. Tiens, ça, ça ne sert à rien. Et ça, ça ne sert à rien. Et ça non plus. Voilà.
Ouais, voilà, je viens de faire un signe de Quen tout à fait utile, bien sûr. Bon, on va aller chercher notre récompense. On va plus vite en sautant, je pense. Si jamais des gens veulent faire un speedrun sur The Witcher, je pense qu'on va plus vite en sautant. Alors, bien le bonjour, messire. J'ai terminé. J'ai fini. T'es ton fini. Il a voulu se payer ma tête, alors j'ai coupé la sienne. Doppler encore, ces sales bêtes sont pires que des rats. J'aime bien le... Merci, sorceleur. Au nom de la guilde. Merci, merci. Ouais, c'est genre, il s'est payé ma tête, alors je vais couper la sienne. Ça me fait penser genre à... genre Tariq qui dirait, ils ont pris mes kills, et j'ai pris leur virginité. Bam. Avec une image tout à fait virile de Tariq en skin ultra gay. Bref, rien à foutre. On va faire un deuxième contrat de sorceleur. On va faire un plaisir mortel. Qui intéresse apparemment, maintenir la paix à Novigrad n'était pas le seul problème de la garde civile. On va voir. Je pense que ça risque d'être un contrat un petit peu plus compliqué parce que c'est un contrat pour niveau 15, donc ça risque d'être un petit peu plus dur. On va juste parler aux gardes. Et peut-être qu'après, on arrêtera l'épisode pour ici et qu'on continuera dans l'épisode suivant, bien sûr. Hein, parce que je ne sais absolument pas combien de temps ça fait là que je joue. Mais je pense que ça doit bien faire 25 minutes. On va voir ça. Alors, je parle à ce garde. Je viens pour le contrat. On a perdu une de nos patrouilles de nuit. Armée jusqu'aux dents. C'est sûrement un monstre. Must. Si vous aviez vu les cadavres. Parlez-moi des cadavres. Qui meurt à cause de la chaleur. Eh bien ça ressemblait... C'est ce à quoi ressemblaient les cadavres. Alors on va parler de la récompense tout de suite. Mes services ne sont pas gratuits. On va monter un petit peu. Allez, 280. Ça passe. Easy. Évidemment, évidemment, je ne suis pas un sorceleur de pacotille, mon ami. Où sont les corps, s'il te plaît? On les a brûlés. On va aller voir notre toubib. Fort bien. Fort bien, fort bien. Putain, mais cette armure, vraiment, je la kiffe, mais on va devoir la changer. Hein. On va devoir la changer cette armure à un moment parce que bon, on va trouver des trucs mieux, mais là j'avoue qu'elle a quand même vraiment la classe. Bon, on va juste aller en face. Ah, juste voir. Je peux. Je veux te parler. Ok, tu veux pas que je te parle? Parce que c'était pas toi en fait, c'était toi. Marchand! Bienvenue, bienvenue. Montrez-moi votre. Un marchandise. On va vendre des trucs. Je vends des trucs qui ne me servent à rien. C'est-à-dire, je vais vendre ça. Bah, du coup, la selle, je vais la vendre. Ah, des bottes. Pas mal, pas mal. Ces bottes-là sont plutôt pas mal. Et je vais vendre une autre épée, voilà. En attendant, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des trucs? Ghoul et Al-Ghoul. Est-ce qu'il a des trucs que je puisse acheter? Je sais pas ce que je pourrais acheter, je sais pas ce qu'il manque par exemple pour faire des potions. Bon, je verrai ça plus tard. Il a pas de carte déjà. Il avait pas de carte de Gwent et il n'avait pas de recette. Donc, qui sont les deux trucs qui m'intéressent le plus. On va juste aller voir l'armurier vite fait. Ici. Histoire. Une arme aiguisée à reforger, voyons ce que vous avez à proposer. Histoire de démonter surtout les trucs que j'ai.
Retire amélioration, donc ça on va faire ça. Prix 49, putain. Prix 21, ok. Prix 63, mais putain, ça coûte une fortune. Alors, démonter. Donc, je démonte ça. Oh, je récupère un diamant. Sérieusement, énorme. Je récupère quoi là? Je récupère pas de diamant, donc je récupère du lingot de fer. Poussière de saphir, putain c'est pas mal hein. Des clous, du lingot d'acier, etc. Pas démonter ces bottes là parce que c'est celles qui vont nous servir. On va démonter tout le reste, voilà. Et on va voir. On va voir ce qui peut nous filer. Est-ce qu'il y a des trucs à vendre? Ah, il a plein de trucs. Pierre unique, parchemin. Pierre unique. Ah, il a 20 000 trucs. Carreau explosif. Kit de réparation. Ok, j'achète tout. J'achète tout. Ensuite, bah, du coup, je vais faire réparer mon équipement. Je vais faire tout réparer. Ça me coûte 118, mais c'est pas grave. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Je demanderai peut-être de crafter des trucs plus tard. On va réorganiser un peu cet inventaire. Non, on va laisser les trophées en bas. On va remonter ça, on va changer de bot du coup. Et voilà. Alors là, par contre, du coup, si je vais dans Alchimie, je peux faire maintenant des... Ah non, l'artisanat. Je peux faire des schémas de pierre runiques. Plutôt... pas mal. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, sous-liker, disliker si vous avez disliké. Et sur ça, moi je vous dis à ciao, bonsoir.